Bonjour, bonjour les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un nouveau concours de 2 millions de karma à gagner sur le serveur Telesia à la place de 1 million. Donc forcément, ça sera 60 likes à la place de 30 likes. Franchement les gars, 60 likes c'est pas beaucoup. On peut le faire facilement et tu peux gagner 2 millions de karma. Franchement les gars, un abonnement d'une semaine, il te reste genre 1 million 3 1 million 2. Franchement très très bonne affaire. Donc pour participer c'est super simple, abonne toi sur la chaîne, likez la vidéo et mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires les gars. Comme d'habitude on change rien, sauf tu peux gagner 2 millions de karma à la place de 1 million. Donc voilà. Allez, maintenant on passe au astuce karma. Ça dépend de peut-être de brisage, peut-être. Allez, on se retrouve. Bonsoir l'équipe, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce karma. Franchement, une astuce karma classique, vraiment classique. Les bottes de reine des voleurs, les gars, franchement, je vends 2 en 30 minutes généralement. Bon, je fais cette astuce karma de temps en temps. Mais en général, les gars, ça part très, très, très bien. Comme je disais, je vends 2 par 30 minutes. C'est rarement plus, mais en général, je vends en 30 minutes, les gars. Je parle en 30 minutes. Je vends 2 bottes facilement. Donc, voilà, ça coûte pas cher en plus de ça. Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte à peu près 600 000 karma. On va checker 80 150, allez 350, 460, 570, bon 570, 600 650, un truc comme ça. Le craft, j'ai crafté 2 les gars, j'ai acheté les ressources et tout. J'avais 2 millions 2, il me restait 900 000, on va juste checker. 2 millions 2 moins 900 000. Donc le craft c'était 1 million 3. Donc 650 000 karma. Le craft, bon les gars, forcément on va pas faire beaucoup de karma et tout. C'est normal, le craft coûte pas cher. Mais avant de commencer les gars, le craft, j'ai quelques preuves de vente à vous montrer rapidement. Donc voilà, on a pour 3 millions, presque 3 millions. Tolissement et Gans, ou je ne sais pas quoi, pour 2 millions. Dark du Dragueuf, 325 000 kama. Amulette du Renouveau, ça part tranquillement. 220 000 kama. Dragon d'Inde, Émeraude et Ivoire, 200 000 kama. Legacy, 600 000, des fois 800 000. Quand j'ai montré la vidéo sur YouTube, la Sus Kama, vraiment top. Regardez les prix à 200 000, les gars, c'était 800 000. Maintenant, c'est 200 000. Bon, tant pis, c'est pas grave. On a ceinture Mulonde, bon ça coûte rien. Et les deux pierres pleines les gars, encore des chevaucheurs Koalak. Bon, 70 000 kama, quel plaisir. On a quoi d'autre? On a ceinture Mulonde, les deux ceintures Mulonde encore. On a amulette du renouveau plus quelques ressources, on s'en fout un petit peu. On a pour 850 000 kama. Normalement les gars, c'est tout pour l'épreuve de vente. Allez, on craft les deux bottes. Comme je disais les gars, on va clairement pas faire genre beaucoup de kama, mais on va au moins faire la moitié de nos kama. Donc j'ai payé 1 million 3 pour 2 bottes, ça fait plaisir. Donc voilà pour le craft. Bon les gars, clairement on va mettre quelques FM rapidement, sinon ça part pas, ça part jamais sans FM. Je vois pas pourquoi les gens achètent un bot sans la FM, sauf si le craft coûte pas cher. Donc le mec il va acheter directement en HDV pour lui-même faire la FM, ou bien pour un mec il essaye de choper les gars PM. Sinon je vois pas pourquoi les gens achètent un G nul. Un G nul en HDV. Donc on va commencer la FM directement. Je crois j'ai quelques runes en havre sac. Attendez les gars 2 secondes. J'ai la flemme d'aller en banque et tout. Voilà, j'ai beaucoup de runes même. Je vais enlever tout ça. Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas. Je vais juste 200. Ça. Ah, je suis full pots, merde. Attendez les gars, je vais mettre le mode full pots là.
Ok. Non. On s'en fout. Hein. On s'en fout de ça. Normalement, on est bon. Ça, c'est quoi? Les dommages poussés, on s'en fout. Bon, les gars, je pense on est ok pour les runes. On va commencer la femme directement. C'est corps dommage. Corps dommage, corps dommage. Bon, les gars, il y a des gens qui me disent si tu fais toujours le même truc. Bon, sur Dofus, les gars, pour faire des camas, soit le farm. Le farm, soit tu farmes les ressources, soit songe infini, soit les donjons. Soit tu fais des colistants avec le colis, soit la femme revente, les gars. Il y a juste trois techniques à faire des camas. Moi, perso, j'aime bien faire la femme revente, puisque ça coûte pas beaucoup de temps, pardon. Ça coûte même pas 10 minutes. Tu peux faire 2 millions, 3 millions de camas. J'aime pas le truc là. Songe infini, tu dois avoir une team et tout, c'est très très chiant. Donc, les plus faciles, l'astuce Kama, la plus facile, les gars, c'est la femme revente. Bon, les gars, allez, on commence tout de suite par celle-là. Donc, on a 60 chances, c'est facile à faire, je pense. Oh putain, le PM, les gars, c'était tout, les gars. J'ai sauté le PM vraiment tôt, donc j'espère que ça va passer en crit. Donc je vais payer gars PM, j'espère que ça va passer en crit. Sinon je perds 30 000 kama comme ça. Donc, allez, allez, passe en crit s'il te plaît. Corps dommage. Allez, allez, allez. On va mettre juste le PM. Et les bots, c'est où? C'est celle-là, donc. Yes, les gars, ça passe en crit. Donc, on a moins 3 déjà. Allez, moins 6. Donc, je vais enlever 6. Ça donne 80, je crois. Voilà. 90 même. Donc, 90 divisé par 10, ça fait 80. Voilà. Donc, on a 80. Je vais mettre 15 ici. Voilà, ça passait en crit, donc on va pas compter ça. Celle-là, c'est pas en crit, donc c'est moins 5. 80 moins 5, ça fait combien? 75. Les résistances critiques, c'est OK. On va passer à résistance O. Donc ça passait en crit, on va pas compter ça. Ça, c'est pas en crit, donc moins 6. Moins 6, ça fait 69. Les critiques, c'est OK. On a la chance, 60. Voilà, ça passe en crit. Plus 10. Moins 20, ça coûte cher. Hein. Ça, c'est très très cher, les gars. Moins 20, ça fait combien? 49. 49. 48, je vais mettre 10. Donc, moins 3. Non, moins 13. Aïe, 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 moins 23, les gars. Moins 23. Ça fait combien? Il nous reste 26, les gars. 26. Le G est parfait. Littéralement, les gars, le G presque parfait. Ça manque juste de agilité. Et 35. Enfin, 15 sagesse, mais on s'en fout un petit peu. Je vais tenter de mettre. 2 GAPM, enfin GAPM, les ravis, les gars, 2 ravis. Ça passe en crit, l'autre. Non, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Donc, on va laisser ça comme ça. Bon, on s'en fout. Pour l'autre, les gars, c'est un petit peu pareil. Je vais mettre 10 ici. Parfait. Vitalité, c'est 15. Voilà, 42, on est bon. Les critiques, c'est 3, 15, 15. Les dommages, c'est 15, 15. Allez, 15. Ça passe vraiment vite. C'est super facile à faire, les gars. Vraiment super facile à faire. Ça coûte combien? Ça, c'est 3. Excellent. Donc, 15. Enfin, 25. Ça, c'est 10. Allez, passe en crit. Mais merde, passe en crit, s'il te plaît. Parfait. Ça, c'est 15. Ça, c'est 15, bien sûr. Parfait. Les critiques, c'est 3 au cas où. Allez, passe. Oh, mais merde.
merde, les gars. Le PA à moins encore une fois. Donc ça fait moins 20. 90 moins 20, ça fait combien? Ça fait 70. 70. 70 encore. Je vais acheter un gars PA, les gars. J'espère que ça passe en crit, les gars. Sinon, je perds 30 000 Kama. Donc, GAPA, GAPM, parfait, parfait, parfait. Ok, 30 000 Kama de moins, ça fait plaisir. Donc, j'ai payé 60 000 pour les deux GAPM. Allez, allez, allez. J'ai l'impression que les gars, ça va pas passer en crit, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. C'est celle-là. Ah merde les gars, donc je vais repayer 30 000 Kama, ça c'est très très chiant. Ça c'est très 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 chiant. GAPM, allez vite 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 les gars, vite, c'est très très chiant. Aller-retour, ça me casse les pieds, mais bon, on est obligé les gars, on est obligé. Déjà à la base, on va pas faire genre beaucoup de Kama, plus on perd des Kama comme ça, ça c'est très très chiant. Donc c'est celle-là. Allez, passe. Ça passe en crit. C'est très très chiant, les gars. Mais bon, on s'en fout. Allez, 15. Les résistances critiques, c'est important, les gars. Vraiment. Donc, 23. Ça, c'est 10. Les dommages, c'est 15. Parfait, 15. Ça, 48. Je vais mettre 10. Allez, passe. Parfait. Allez, passe-toi, on est bon. Les critiques, c'est 3. Parfait. Ça, c'est 14 minimum. Ça, c'est 10. C'est normal, les gars. Les résistances, c'est 10. Allez, je vais mettre 14. Ça me casse les couilles. Ça, 25. Donc, 14, 14, 55. On est bon. Je vais juste mettre 15 ici. Encore 15. 2 secondes les gars, je vais mettre 3 ici. Les dommages, c'est 1. Mais putain, j'ai vraiment pas de chance les gars, vraiment. Je vais mettre 3. Allez, passe. Parfait, les dommages c'est 14 minimum. Les critiques c'est 3. Donc on est bon, je vais mettre les 15. Allez. Allez, encore, encore. Allez, yes. Je vais mettre 3. Yes, on est bon. Ah, merde, les gars. Les résistances, c'est très, très moche. C'est 10, parfait. Les critiques. Mais non, mais putain, ça me casse les couilles, vraiment. Vraiment, les gars, ça me casse les couilles. Je vais encore acheter. Bon, on va pas faire du BNF, les gars. Ça c'est mort, on va clairement pas faire du BNF. Bon, c'est une façon de parler les gars, on va pas faire du BNF. On va faire du BNF mais pas beaucoup. Aïe aïe aïe, au moins ça passe en crit. Si ça passe en crit, on est bon. C'était 29, maintenant c'est 27, ok. Ok, ok, ok. Allez, passe au moins, passe en crit, s'il te plaît. S'il te plaît Dofus, au moins passe en crit cette fois-ci. Allez, 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 passe en crit, passe en crit. Donc c'est celle-là. On a sauté avec quoi? Je ne sais pas, je ne sais plus les gars. De toute façon, c'était pas en crit, donc on s'en fout. Allez, les runes sagesse, on n'a pas. Allez, allez, passe. Merci, le jeu est vraiment correct, juste quelques vitalités. Bon, je vais laisser ça comme ça, ça va partir les gars, sans aucun problème. Donc voilà, voilà les gars, pour les jeux, on a payé les gars plus de 100 000 Kama pour les runes. Pour les runes, GAPA, donc 30, oui, 100 000 Kama les gars, on va dire 100 000 Kama. Donc équipement, je vous montre mon HDV, il est presque vide. Je crois que j'ai tout vendu, il me restait quelques trucs rapides là. Voilà les gars, presque vide. Il me reste les amulettes renouveau. Ça part tranquillement, ça part mais tranquillement. Il me restait 3 dagues du dragueuf et un talisman et gans. Donc voilà, voilà. On a pour 4 millions 1. Pour les bottes du reine des voleurs, ça coûte 1 million pile.
Le G, ok, franchement le G est ok, donc je vais le mettre ça à 1 million. Je vais cap, je vais pas casser la tête, donc 1 million. Et ça pour 1 million encore, donc on a pour 2 millions facilement les gars. Comme je disais les gars, j'ai payé combien? Ah merde, j'ai payé 1 million 3 je crois. 1 million 3 plus 100 000 des runes, ça fait 1 million 4. Donc on a fait les gars 600 000 de BNF. Franchement c'est vraiment correct. Vraiment les gars, c'est correct. Tu payes 1 million 4 pour faire 600 000 Kama. On a fait les gars presque 45% de nos Kama. Donc franchement, très très bon astuce Kama. Comme je disais au début de la vidéo, je vends les deux en 30 minutes les gars. C'est vraiment rapide, surtout sur les serveurs peuplé comme Dragon Heroes par exemple. Donc voilà les gars pour l'astuce Kama d'aujourd'hui, une astuce Kama classique. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour le concours de 2 millions de Kama à gagner sur le serveur Telesia, et n'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne pour d'autres astuces Kama. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine.